Il y a un sujet important sur la ville que vous nous avez beaucoup fait remonter, notamment à moi en mairie, c'est notamment les dépôts d'ordures sauvages qui jonchent nos trottoirs. Et c'est quelque chose que malheureusement on retrouve très souvent en ville, surtout ces derniers temps, avec le ramassage des poubelles qui était un petit peu compliqué. Concrètement, moi j'en ai marre, donc on a décidé d'y aller fort, même si ça déplaira peut-être à certains. On a mis les gants. On a mis les masques, on est allé fouiller dans les poubelles pour essayer de trouver des bons de commande, des tickets de caisse. Donc là, on a trouvé, en fouillant dans les poubelles, des adresses de livraison de colis qui correspondent, hein, qui sont plusieurs livraisons, plusieurs adresses qui sont tout le temps la même adresse. D'ailleurs, la police municipale est compétente pour constater et relever l'infraction, à savoir l'infraction de la deuxième classe qui est verbalisable à hauteur de 68 €. Lorsque la personne dépose les objets à l'aide d'un véhicule, la contravention passe de 1 500 €. Dès lors qu'elle est connue de nos services par le biais de la récidive, la contravention double et elle passe de 1 500 à 3 000 €. On est sur un espace partagé, un espace dont on doit prendre soin. Il n'est pas possible de se dire « je vais mettre mes poubelles et ce sera à la mairie et aux agents ». Ils ont beaucoup de choses à faire. On est en sous-effectif encore avec le Covid, tout le monde n'a pas repris, donc ce n'est pas aux agents de se taper le nettoyage de toute la ville à chaque fois que des personnes n'ont pas la correction de se dire « je vais attendre un petit peu avec mes poubelles et je ne vais certainement pas les mettre sur un espace, encore une fois, qui est partagé ». Demain, on est sur place Victor Hugo, demain, il y a le marché. Pour les commerçants, vous imaginez vendre des fruits et légumes avec des tas de poubelles qui puent derrière, ça, ce n'est pas possible. Donc, on le refera autant que fois qu'il sera nécessaire de le faire parce qu'on s'est engagé à améliorer le cadre de vie des habitants et c'est quelque chose que l'on va faire.